Storycraft. Aujourd'hui, on est avec les Top Citermi à Logo Rouge. On est allé prendre l'été avec le Chef and Finger et rencontrer la Poudrière, le groupe Mobutu. Bonjour les Top Citermis. Bonjour. Merci d'accepter notre interview à Logo Rouge. Merci de nous avoir invité. Avec grand plaisir. Alors, on va peut-être commencer par une petite présentation rapide des différents membres du groupe. Si vous voulez commencer. Moi, je m'appelle Bateau, je suis guitariste et j'ai fait des chorus. Très bien. Moi, je suis Sip, batteur dans Top Citermis. Moi, Noémie, bassiste et chanteuse. Moi, c'est Damien, je fais de la guitare et je chante. Toi qui es expansif, moi je trouve que je trouve vachement éloquent. Ouais, j'aime pas les présentations, on se croit. Ouais, mais là c'est. Une formation oui, mais on s'en fout de ton avis, c'est lui qui peut nous dire ça. C'est notre avis, j'espère. J'avais compris. Donc le groupe c'est Top Citermis. Donc est-ce que vous pouvez définir le style, les influences et l'évolution? Bah, le style, c'est. C'est un tableau peut-être pour qu'on puisse tout dire. On peut faire un schéma, tu peux faire un roulette. On peut tout dire. Ouais, c'est une base de rock and roll, c'est du punk rock. C'est du punk rock mélodique, voilà, les influences, ça va de Blink 182, Bad Religion, NoFX, des trucs français comme Burning, Heads, 7-8, après, plein d'influences, quoi. Je veux dire, on écoute tous plein de choses différentes, ça peut aller du Beatles aux Beach Boys, enfin voilà, c'est plein d'influences mélangées, tout ça donne Top Citermis. Le groupe, quand ça a commencé, comment vous êtes rencontrés Alors au début, la Terre n'était que magma. Il y avait des dinosaures. Non, je l'ai vu ce dessin. Là, je vais laisser les anciens en parler. Ça a commencé en 2008. Moi, Noémie et deux autres personnes. On s'est rencontrés en fait pour monter un groupe, on ne se connaissait pas. Et on a monté un groupe. Ensuite, on a rencontré deux autres personnes, donc un premier batteur et une pote à Noémie. Elle était pote depuis longtemps, pardon. Elles étaient potes. Les gens n'écoutent plus. C'est super compliqué, quoi. Bon, bref, on était quatre au départ, donc deux instruments. Et les deux autres sont partis petit à petit. Enfin, ça a bougé, il y a eu pas mal de choses. Non, mais je l'ai déjà fait 10. Non, mais le tableau, au préalable. Je tiens juste, coupé, on va régler les caméras parce qu'ils sont déjà enfoncés de 10 cm dans la terre. Et du coup là ça a changé pas mal de fois mais c'est un peu long et finalement Baptiste est arrivé parce que c'est son petit frère. En 2010, il était obligé. D'accord. Et Sip également à peu près au même moment. 2011. Depuis 2011 c'est ce que c'est aujourd'hui. Ouais voilà. Bon bah je vais pisser moi. Quelqu'un veut une bière? Ouais tiens, allons. Ah bah en vrai si t'as noté une bière, je la rallonge. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre discographie ainsi que l'imagerie qui a été choisie? Sachant que je vous les ai amenés. Le fan. Là c'est professionnel. Alors ça c'est le premier. The First One. Voilà. Enregistré au studio 4. Dans son bel écran. Présenté avec le disque. Sorti en 2000... Sur quoi D'accord. C'est un label d'Angoulême. Ok. Lionel, on te salue. Avec qui on travaille toujours, hein, bien sûr. Avec qui on travaille. Je sais pas, on peut en parler un peu plus, hein, si vous voulez. Non. En 2012, on a sorti celui-ci. Enregistré à Nice, Mayotte. Enregistré où? À Mardisson, quand il monte l'album, il y a la musique qui vient. Moi, un coup, Damien, attends. Ouais. Évite de faire le front 16 du groupe quand les autres parlent, toi, tu laisses parler. Donc, tu disais Bateau. Donc, enregistré à Nice, chez Rémi Mayotte, bien sûr. Tourette sur Loup, précisément. Et voilà. Qui jouait dans Frigolo, en fait. Et toi, t'étais déjà là. Moi, je suis arrivé. Pour l'enregistrement de. Avant cet album, ouais. D'accord. Et après, il est là, tu vois. D'accord. Ce qui s'est passé, il s'est enroulé. J'enregistre en janvier, je suis parti après l'enregistre. Donc, par la suite. Après, il y a eu ça. Ça c'est sorti en même temps, ouais. Donc, un split avec. Le copain de Joe, groupe obscur, là. Un groupe de Doom de Poitiers.
On dit copain parce qu'on passe à la télé. Non, toi, déjà, t'étais plus là. Ah, mais j'étais plus là, moi. Ouais, pourquoi oui, t'es revenu là, toi, regarde. Ah, t'es pas dessiné dessus. Parce qu'en fait, les deux sont sortis en même temps. Et ça, c'est un split avec Sidewalk, un groupe hollandais, qu'on salue aussi. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour les deux splits qui sont sortis simultanément? Est-ce qu'à la base, vous aviez une base de morceaux et que vous vouliez en faire un album et qu'on vous a proposé de sortir des splits, ou c'est que ça, on avait l'idée de sortir des splits avec Joke au départ. Puis Sidewalk nous a proposé à peu près au même moment. Et on a fait les morceaux pour les Et l'imagerie, toujours, ce côté un peu science-fiction et tout, c'est quoi? C'est un truc que vous continuez à vouloir garder? Ouais, c'est le même illustrateur qui nous a fait tous les EP où on est seul. Donc les deux premiers ainsi que le dernier. Là, les splits, c'est différent, vu qu'on était deux groupes à chaque fois. Aucun des deux groupes, c'était sous-entendu qu'on n'allait pas imposer un truc, etc. Ouais. Donc on voulait faire appel à d'autres illustrateurs. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Et ça, c'est un illustrateur japonais, Toshihiro Matsuo, qui a fait pas mal de trucs. Pour Fat Record, entre autres. D'accord. Aussi. Et qui avait fait un album de Noton Tour aussi, l'illustration d'un album de Noton Tour. Et ça, donc, ça, c'est le petit dernier. Ok. Non, on va le dire avec celui-là. On va le dire après. Ça, c'est le dernier, le dernier EP qui est sorti en octobre 2015. Donc, sous trois formats différents, donc le CD. Donc le plus grand. Ça, c'est la première version qu'on a eue en pochette sérigraphiée par notre pochette sérigraphiée que tu peux colorier si tu as envie. En CD, voilà, il fait petit pop-up comme ça. Voilà. Et ça joue pas la musique d'anniversaire. Non. On s'est dit la même chose. On voulait, mais c'était trop cher. Chanter. Okay. Chance, problème d'argent. Hein. Chorale de chaton. C'est une chorale de chaton, ça coûte trop cher. C'est sorti en vinyle de couleur violette. Voilà, et donc toujours. Ouais, mais non, c'est. Je sais pas. Et du coup, ouais, c'est toujours la même personne qui fait les visuels. Qui est la Ladislas? Qui est la Ladislas Chaffignon? Alors, qui est la Ladislas? La Ladislas, c'est né. Donc, pendant qu'on est sur le dernier, pourquoi ça s'est étalé sur un certain temps? Est-ce que c'était pour des raisons d'avoir sorti plusieurs versions. Ouais. Et puis, est-ce que vous pouvez aussi expliquer le titre, pourquoi, machin, ceci, cela? Attends, un certain temps, tu veux dire? Bah, tu sais, il s'est passé quelques mois entre la sortie du vinyle, par exemple. Ah ouais, bah après, il y a les délais de pressage et tout ça, quoi. Ouais, on s'est dit qu'on allait sortir un CD, et puis tant qu'à faire. En fait, on voulait le sortir à une date précise. On a voulu le sortir à une date précise, parce qu'on avait prévu de le sortir à ce moment-là, avant une tournée à la Toussaint dernière. Et les délais de pressage vinyle sont tellement longs qu'on s'est dit qu'on allait faire une première version particulière. Donc on a fait la version sérigraphiée, ouais, avec Never Trust an Asshole. Ensuite, le vinyle est arrivé, et ensuite, on s'est dit qu'on allait faire le digipack. Quand la première version sérigraphiée était épuisée quasiment. Ouais. On a épuisé notre côté. Puis, du coup, est-ce que vous pouvez expliquer le titre de l'album et les différents thèmes qui sont abordés? I expect nothing and I'm still let down, c'est une phrase de Dewey dans Malcolm. Okay. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Pour résumer, c'est un peu le ressenti qu'on a sur notre société actuelle, quoi. Ça y est, on y vient. Nous y voilà, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. On va pas tourner autour du pot. Hein, c'est con que ce soit surfait de dire ça. Et du coup, les morceaux relatent un peu ça, ou est-ce que tu peux développer, toi, Damien, ou qui écrit? C'est Noémie qui écrit quasiment tout le temps. Et en gros, la plupart des. Enfin, là, c'est assez varié sur Stoppé, hein, le précédent en tous les cas, dans ce sens-là. C'était un truc conceptuel, on avait fait une histoire, etc. Mais là, c'est un peu plus divers. Enfin, les morceaux, ça raconte pas une histoire réellement, mais ça part du principe. On explique dans les morceaux, en tous les cas, pas mal de choses. Oui, je crois. Le premier, Like a Living Dead, en fait, c'est un peu notre vie sur la route, quoi. Ouais, c'est okay. C'est un morceau, ouais. On est dans le camion, c'est le morceau, on va dire, le plus positif de l'album, quoi. Parce que c'est notre vie en tournée, c'est ce qu'on aime faire. C'est pour ça qu'on fait de la musique, pour monter dans le camion et partir avec les copains, rencontrer des gens. Après, le reste, c'est un peu plus glauque, quoi. Et plus ça avance, plus c'est glauque. C'est glauque, mais avec une base mélodique quand même qui fait que la musique. C'est de la musique joyeuse avec des paroles tristes. On se prend pas en l'écoutant. Peut-être qu'il y en a, ils se démerdent, ils font ce qu'ils veulent après. Des équipes de foot, je sais pas. Mais. Où est-ce que vous avez enregistré cet album alors? Avec un copain.
Ouais, alors pas tout à la maison, en fait on a fait les prises batterie à la salle d'IFART de Parthenay. D'accord, ouais. De Sèvres. On remercie David Sauvignon de nous avoir prêté les lieux. Ouais. Donc on a enregistré pendant 4 jours, on a fait les batteries avec Karine. Karine Marolo. Karine Marolo, ou Karine Marolil, comme tu veux, tu peux. T'as l'anagramme. Donc on a fait les prises batterie à DIFART et au mois de juin 2015 et on a fait les chants, les guitares et les basses donc chez Lana et Noémie au mois d'août 2015. Voilà, fin août. D'accord. Et pourquoi Masterisé par Thibaut Chaumont de Deviant Lab à Poitiers. Comme vous le savez, l'émission est entrecoupée de micro-reportages, donc je ne sais pas si vous connaissez Miss Chapin-Finger. Oh oui, Jérôme. Oh, Jérôme. Mais oui, carrément. Super groupe de super bande de power pop. Super voilà, du power pop acoustique. Et du coup, on les a rencontrés, on a fait un petit reportage et, sur eux. Donc voilà, on lance le reportage, c'est comme ça. Eh bien, bonjour à vous. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement et ce que vous faites au sein du groupe et voilà, vous présenter le groupe, style, qu'est-ce que c'est ? Alors, donc moi je suis Jérôme, le chanteur guitariste de Miss Chapin-Fingers Trio, qui était au départ un projet solo acoustique de folk et qui est devenu un trio. Bonjour, moi c'est Ben et moi je suis le dernier arrivé depuis quelques mois et je fais de la guitare et des percussions. Bonjour, alors Tiffany, moi je fais du violoncelle et je chante un peu et ça fait 2 ans que je joue avec Jérôme dans Miss Chapin-Fingers. Mais du coup pour le style, les influences, est-ce que l'univers artistique, est-ce que tu peux nous développer ça parce que visiblement c'est une longue histoire donc ça a évolué. Miss Chapin-Fingers pour moi c'est un groupe de folk américaine, voilà. Enfin, anglaise, américaine, quoi. Anglo-saxonne. Donc, ouais, ça fait combien d'albums, tout ça ? Est-ce que tu peux nous faire un topo là-dessus ? Il y a 6 disques folk, il y a 3 disques électriques, qui sont toujours Miss Chapin-Fingers, et les Lumberjacks, donc les Jacks. Et il y a un disque sous format trio. Voilà. C'est quoi, concrètement, l'actualité, les futurs projets Alors, là, le gros truc, là, c'est, je pense, la sortie de l'album, en fait, donc, que j'ai commencé à enregistrer tout seul, et puis au fur et à mesure, il y en a qui sont venus se greffer dessus, donc il y a Tiffany qui joue dessus. Ben, et quand il a rejoint le groupe, l'enregistrement était déjà fini, mais en gros, voilà, il y a le pianiste qui jouait avec nous, qui joue dessus, donc en gros, il y a à peu près 7 musiciens différents, donc, et il y a Tom Bodlin qui joue du saxophone sur certains morceaux. Simon, avec Dozer, lui, il jouait avec Luis Francesco Arena. Il y a donc Tiffany, il y a Nico qui jouait avec nous aussi, Nico Pabio. Il y a basse, batterie. À la batterie, il y a le batteur de Pendentif qui joue avec moi dans un autre groupe qui s'appelle les New Kids. Et puis c'est Joe Lamarck. Et après, il y a Christelle, une chanteuse de Tarbes, qui fait avec nous un collectif de folk, voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et en gros, voilà, on est 7. Et le but, ça serait qu'avec la sortie de cet album, on puisse présenter sur scène les morceaux tels qu'ils ont été enregistrés, donc c'est-à-dire avec tout le monde, quoi. Donc je pense qu'on essaiera de faire un concert avec des one-shots comme ça, un peu quand on peut, avec toute la clique. Et puis aussi la sortie de l'album, quoi, proprement dit, qui est en cours de mixage. Un clip circule sur la toile, donc Move On. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, c'était au moment de l'enregistrement de l'album là en trio. On était donc chez le pianiste qui avait un très beau studio et il y a mon beau-frère donc Nicolas Aymar qui lui fait des clips donc fait ça pour François et Douira par exemple, il l'a fait pour Laurent Parado. C'est des groupes de synthes et alentour et donc du coup puis qui se démerdent pas mal, on s'était dit tiens si tu voulais passer pour faire filmer un petit peu ce serait cool, donc voilà il est venu, il a filmé, on a fait le montage, enfin il a fait le montage et je l'ai aiguillé sur la fin pour les petites retouches
Et puis voilà, ça a donné le clip. Et on a essayé, on a un peu accéléré le pas sur la fin, parce qu'il fallait une vidéo pour les présélections du Printemps de Bourges. Enfin, pour la candidature, qui n'a pas été retenue. Mais du coup, voilà, c'est ce qui a lancé l'aboutissement du clip. D'accord. Je précise qu'il y a un clip et qu'il y a aussi pas mal d'extraits live sur YouTube. Ouais. Moi, j'essaye d'alimenter assez régulièrement. Eh ben, merci à vous. Puis bonne continuation. Et puis à un de ces quatre. Donc depuis quelques années, vous avez quand même un rythme de concert qui est assez conséquent. Surtout que vous êtes un groupe pas pro. Enfin, pas pro dans le sens. C'est pas votre métier. Il y aura un petit groupe de merde. Donc ouais. Du coup, c'est quand même assez étonnant. Ce n'est pas le métier. Voilà, ce n'est pas le métier. Voilà. Attention, c'est... attention. Du coup, je voulais savoir comment ça se passait concrètement, en fait, au niveau de l'organisation, des choses comme ça. On a ni fait ni à faire, l'organisation. Non, on est à quoi un peu plus de 60 dates par an. Ouais. En tout, là. Non, je pense pas. De toute façon, tu fais pas les mêmes dates que tout le monde. En un an, là, tu te rends compte. T'es ouf, quoi. Ouais, ça, je pense. Hein. Peut-être. On fait déjà 15, on est aux alentours. On a fait une, à peu près 200 concerts. Si je comptais, j'étais là à la fin de l'année, on va faire au moins 60, quoi. Même plus. D'accord. Donc, ça fait bien. On fait une 60. Ouais, on reprend. On fait une 60. C'est une soixantaine d'heures par an. Donc tu dis à peu près une soixantaine de dates à l'année. Ouais. La question c'est combien de... Sur les dernières tournées que vous avez fait, parce que vous avez quand même pas mal pris la route ces dernières années, combien de pays visités à peu près, est-ce que vous pouvez faire un... nous parler de ça, sur quelle zone géographique, et développer un peu ça pour les gens qui savent pas, qui connaissent pas. Alors on va dire une quinzaine de pays, on a fait Lituanie, Lettonie, Pologne, République Tchèque, Hongrie, Slovaquie... Suisse. Italie, Allemagne, Suisse, Autriche, Espagne, Luxembourg, Luxembourg, c'est pas trop. France, c'était No Man's Land. France, Hongrie, Belgique. La Vendée, vous avez fait la Vendée? La Vendée, on l'a fait hier soir. On l'a fait. Putain, les décalages d'horaire, ça nous a mis. Jet lag. On a pris l'agent Feto ce matin. Ouais, voilà une quinzaine de pays. Veux-tu faire la prochaine question, Simon? Je te le propose. Tout à fait. Vas-y, tout à fait. Mais est-ce que vous avez des projets en tête Nous avons des projets, bien entendu. Mais faites-les partager, mon Dieu. Et en Charenteux. Et en Charenteux pour celle-ci. Là, nous, on compte rénover la salle de bain dans 2 mois. Ouais, voilà. Moi, je vais tailler la haie chez moi parce que ça commence à être un peu la merde. Tiens, t'as les deux là. Bon, les futurs projets de tournée, on va préciser, on va orienter la question. En ce qui concerne le groupe. Hein. Ah, d'accord, mais c'est pas précis. Il faut que ce soit précis, les gars. Projet de tournée, ouais, on a rien en mai. On va prendre à quelques dates en juin. Et puis, bon, bah. Ah, les fusils! En juillet, on part pour 6 dates au Japon. Voilà. Et enchaîner sur quelque chose, je suppose? Non? Enchaîner peut-être sur. En Europe. Après, au mois d'août, on repart en Europe. Ouais. D'accord. Okay. Donc, voilà, le Japon en juillet, c'est. C'était la petite nouveauté. Ouais, c'est The Griot of the Muffin. Première fois qu'on part en avion pour faire des concerts. Avec. Mais j'étais pas con. Vous voulez croire un peu plus du Japon là ou pas? Bah ouais, si tu développes nous ça, explique-nous ça. Je vais essayer avec le petit boss là. Il a son jus de Comment ça s'est passé pour le Japon? On nous a contactés quoi. Il y a quelques. Ah, bah, je sais pas, j'étais en contact avec un tourneur là-bas depuis quelques temps, je sais plus, et il nous a proposé récemment du coup de tourner là-bas. Et du coup, on a trouvé ça cool. Il nous a proposé l'été dernier parce que ça se fait pas mal à l'avance, ouais. Ok. Voilà, et puis du coup, on a trouvé ça super cool. Et les dates sont calées là? Ouais, calé là. Cool. Pas là, il doit les annoncer. On a reçu un message hier ou avant-hier pour que c'est calé les dates. On a fait une belle affiche. Ils sont contents du petit bateau de partir au Japon. Ah, mais en plus, c'est vraiment. Enfin, c'est royal quoi. Le mec qui nous accueille à l'aéroport, il nous drive avec le van, il s'occupe de nous sur toute la tournée donc. Il veut pas spécialement d'un rodi, mais bon, c'est un enculé. Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose. C'est de la cuisine privée. Hein. Non, mais je pense que ça va être une super expérience. Quoi. Enfin, je pense que c'est bien chouette. Ouais. Donc, on est allé rencontrer Mobutu à la Poudrière à Rochefort, et tout de suite on passe. On précise que c'est un groupe, mais non pas le dictateur.
Tout à fait, donc le groupe Mobutu, et on passe tout de suite à un extrait de l'interview qu'on a réalisé. Mobutu, un groupe qu'on a. Bon, bonjour Mobutu. Salut. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu au niveau du groupe et individuellement, ce que vous faites dans le groupe ? Oh non. Moi c'est Mathurin, je suis le bassiste, chanteur voilà, du groupe. Et puis membre originel aussi, quoi. Voilà. Sébastien, batteur, nouveau membre. Moi c'est Charles, je suis guitariste et je suis arrivé en même temps que Seb, voilà, dans le nouveau line-up. Artistiquement, c'est quoi l'univers de Mobutu voilà. Ouais, au niveau du style, je trouve qu'on n'est pas très bien habillé. Mais... non, bon, en fait, le style de Mobutu, on pourrait qualifier ça du rock'n'roll, quoi. Vraiment. Enfin, voilà, influencé, si tu veux, par divers groupes. J'ai envie de te dire, voilà, Motorhead, les Ramones, Nashville Pussy, Rose Tattoo, enfin, des groupes comme ça qui envoient 3-4 accords et qui envoient, quoi. Le bousin, quoi. Voilà. Après, l'univers, il n'y en a pas forcément, tu vois. J'ai envie de dire que je suis même à l'origine influencé même par les vieux trucs de blues. Harold Burnside, une riff, et puis basta, quoi. Tu vois, t'envoies le pâté, quoi. Enfin, voilà. Efficace, quoi. Efficace, quoi. Ouais, ouais. On va parler un petit peu des albums. Donc, le dernier, Axl Rose is Dead. C'est le premier. C'est un petit EP de 6 titres. Voilà, donc juste pour le présenter un petit peu. Voilà. Donc, c'est avec l'ancien line-up aussi. Donc, on a sorti ça il y a 4 ans maintenant, je crois, quelque chose comme ça, qui est plutôt bien parti, hein, qui a été même plutôt bien accueilli par la chronique et par les chroniqueurs, en fait, sur les webzines même, tu vois. On a fait, comment que ça s'appelle, Rockard ou quelque chose comme ça, enfin je confonds toujours les deux, enfin voilà, des super chroniques par rapport à ça, quoi. C'est ce qui nous a ouvert un petit peu aussi les portes musicalement. C'est cool, voilà. Donc là il y en a un deuxième avec l'ancien line-up qui a été enregistré, quoi, mais qui n'est pas encore sorti. On réfléchit un petit peu à la formule, à savoir comment on va... Il va sortir, mais voilà, on réfléchit un petit peu encore sur le support. Et sur Axl Rose is Dead, petite question, le dessin de la pochette t-shirt, c'est qui ? C'est un super dessin. Il est beau, hein ? Il y a un mec, a priori, qui est pas mal sollicité aussi par des groupes étrangers, des gros groupes, hein, ouais, au niveau international et tout ça, et... Ouais, complètement. Il est il fait des super trucs. Et puis bah, c'est avec lui que je travaille parce que. Oui. Curieux, il a un super site internet où il met tout son boulot graphique, notamment les groupes qu'il a mis en image. Il fait d'autres trucs aussi en illustration. Mais c'est Stan W. Decker, D-E-C-K-E-R, je crois. Donc le site, je le connais pas précisément, mais on tombe sur lui assez facilement et c'est bien ce qu'il fait. Vous comptez sortir un EP dans les prochains mois ? Ça serait bien qu'on enregistre. Mais est-ce que c'est d'actualité là, alors ? Ah non. Voilà. Sûr, en tout cas avec le line-up actuel, si on rentre en studio, ça sera vraiment fin 2016, quoi. Parce que via moi, d'un point de vue plus personnel, j'ai d'autres projets aussi à côté. Et puis il y a suffisamment de matière. Puis il y a un EP qui va sortir, quoi qu'il arrive. Le deuxième, même si c'est lancé un line-up, c'est pas grave, enfin, ça n'enlève pas l'identité de Mobutu, donc tout est là, même si c'est pas moi et Charles qui jouent dessus, c'est pas très très grave, si vous voulez. Donc où est-ce qu'on peut écouter des titres de Mobutu sur le net ou en dehors des concerts, pour ceux qui souhaiteraient découvrir? Ouais, il y a le site Mobutu 666. www.mobutu666.com. Donc ça c'est le site, et après sinon il y a le Facebook, et puis bah YouTube, hein, tu tapes Mobutu avec le tréma, le U tréma, si tu mets pas le U tréma, ça marche pas. Voilà, c'est le clin d'œil à Motorhead. Et où est-ce qu'on peut se procurer par exemple sur le site album, internet aussi, ou sur le site, ouais. T-shirt, on mettra un lien. Est-ce que vous auriez des anecdotes à partager, des concerts, des choses comme ça? On joue avec le leader charismatique de Mobutu, hein, quand même. Hein. Il y a des choses qu'on va garder entre nous. Des anecdotes avec le leader charismatique de Mobutu, on en a quelques-unes quand même, même en un an et demi. Hein. Mais bon, ça restera d'ordre privé. D'ailleurs, on a passé une excellente soirée. Ouais, Sticky Boys, des super gars. Des super mecs, ouais. Au Mars, à Angoulême, super lieu, super accueil, les gens super cool. Le réseau Mobutu de concert, est-ce que Mobutu a son petit nom qui fait que c'est un réseau spécialement métal, ou est-ce que justement, comme vous dites, vous jouez un peu partout, vous êtes arrivé à jouer Hellfest par exemple, donc c'est pas tout le monde qui arrive. Ouais. Mais, au Metal Corner.
Hein? Précisons, ouais, c'est au Metal Corner quand même, quoi. Okay. Ce qui est bien, ouais. Ce qui est honorable pour un groupe local. Hein. Je veux dire, t'en as plein qui aussi frappent à la porte pour jouer. Moi, j'ai pas frappé à la porte, on n'a pas frappé à la porte, on nous a sollicité. Ça, c'est ce qui est cool. Donc, effectivement, bah, en termes de réseau, j'ai envie de te dire, on est plus de ce registre-là, quoi. En fait, je veux dire, on commence déjà à sortir un petit peu de ce qu'on avait, comme un petit groupe qui commence, qui veut essayer d'émerger, tu vois. Il essaye à tout prix de quand même de se mettre dans un réseau. Et après, bon, effectivement, tu te nourris de ce réseau-là. On est un petit peu, je trouve, on passe un petit peu de sortir de ça. C'est-à-dire qu'on commence maintenant à sortir de ça et on nous sollicite un petit peu pour de l'extérieur. Et c'est ça qui est cool. Et donc, pour finir, est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez aborder, qu'on n'a pas abordé, quelque chose que vous auriez envie de dire au sujet de Mobutu? Moi, je... Là, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux si vous voulez faire jouer Mobutu, voilà, surtout. On n'est pas des brutes de la planification, de l'organisation, mais on est toujours content d'aller jouer. Et on est allé jouer dans des trucs gros et dans des trucs petits, des petits festivals chez l'habitant, des petits troquets, des cafés-concerts, des salles. On joue partout si l'accueil est sympa. S'il faut faire 900 bornes, et bah faut qu'on puisse mettre du gasoil pour aller là-bas, voilà. Un peu d'organisation, mais... Ouais, bon. C'est ça, un bon mot de fin, en fait. Tu nous fais jouer, tu te fous pas de notre gueule non plus, quoi, tu vois, enfin... Je veux dire, c'est normal, quoi. Bah voilà, et bah merci, okay, à vous. Merci à vous. Bonne continuation. Ouais, bonne chance. Ouais. On nous avait dit qu'on aurait à manger sur... On aurait des petites tartines avec du fromage végétal. Ouais, mais on fera ça après, pour l'instant, tu étais... J'ai cru que c'était du fromage végétal. Ah! On m'a dit ça, mais du coup, non, t'as dit du fromage et des jambons. Ça, c'est pas le. Mais il y a beaucoup de pain. Ça, on va pas se faire baiser. Donc, vous avez un site web qui est quand même bien. Je suis en train de chercher le mot. Ouais, qui est cool. Ouais, c'est ça. Bien achat. Le mot cool, c'est bien, ça englobe bien le truc. Il y a plein de choses dedans. Il y a tout. À chaque fois que vous partez en tournée, il y a des reports qui sortent, qui sont extrêmement bien écrits, qui sont pertinents. Je trouve ça mortel, moi, je trouve ça. Voilà, je suis pas kiffé ça. Le dernier est très très bien. Et du coup, ce que vous pouvez nous développer, visiblement, vous allez faire un support papier. Ouais, on s'est dit du coup que les gens lisaient pas des masses non plus le site, on s'est rendu compte, par rapport au travail. Qu'était fou, énorme travail. Même si on repartage des liens sur les réseaux sociaux. Voilà, donc les gens lisent, mais... Twitter ou autre. Mais voilà. Et on s'est dit que ce serait pas mal cool de l'imprimer, en fait, de faire un petit fanzine sur faire un petit fanzine avec les reports. Ok. C'est bientôt la fin. Ah, avant d'aller vous voir, à faire une petite prestation live. Est-ce qu'il y a un point, alors, du coup, quelque chose qu'on a oublié de dire? Acheter nos CD. Bah non, que les gens se bougent un petit peu, voir ce qui se passe en bas de chez eux et découvrir de nouvelles choses, quoi. Est-ce que tu peux me le faire avec une voix? Genre un petit peu. La voix de qui, tu sais? C'est important, maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, c'est quand même que. Les gens descendent à la chez eux, ils pensent pas que le rock c'est pas The Voice ou toutes ces merdes là. Rien à la barre, y a des groupes qui se crèvent le cul pour sortir les CD. Donc maintenant voilà, il suffit de se bouger, faire trois pas et puis c'est aussi le lien social qui est créé. Mais voilà. Ça c'est aussi des anecdotes de Topsy Turvy, c'est qu'on est imitateur de légende du rock. Ça faut pas mettre. Non mais ouais, non, voilà, il suffit de se bouger un peu, voir ce qui se passe dans ta ville. Ouais. Aller prendre des flyers, des théâtres, des salles culturelles, des lieux associatifs pour les jeunes. Et puis... les jeunes. Merci à vous. On va vous laisser aller vous installer. Et puis à une prochaine. Et puis bon et concert ce soir. Bon concert. Ouais. On va essayer. On bouffe ensemble. Ouais. Allez. Salut. Merci, salut à vous.